Présentation des équipes. Donc pour l'équipe Metz, c'est pourri comme ça, hein. Je suis désolé. Je peux mieux. Est-ce que ça va mieux là? C'est plus que bien. Ouais. Bon allez, on y va. Premier joueur, il est portugais, il est droitier, il a 25 ans, il est numéro 56 français. C'est sa cinquième saison à Metz, Diogo Chen. Deuxième joueur de la soirée pour l'équipe de Metz, il a été formé au club de Metz, il a 21 ans, c'est un gaucher, il est français, il est numéro 68 français, Esteban Dor. Troisième joueur de la soirée, il est de la région, c'est le régional de l'étape, il a habité pas loin, il a même joué ici à Rennes, il est parti au Creusot et ensuite il est à Metz, il a 21 ans, il est droitier, 95 français, Florian Bourasso. Avec ce club, s'il vous plaît. Le coach de cette équipe, Messine Vincent Honnotte. Pour votre équipe, les trois joueurs de la soirée, nous avons tout d'abord notre arbitre Desailles, 28 ans, droitier, qui rentre tout juste le championnat du monde de Houston, le championnat du monde qui avait lieu à Houston, et il a gagné aussi dernièrement le tournoi WTT à Tunis en double. Voilà, deuxième joueur, Iba Dio. Et à 29 ans, il est droitier, lui aussi, revient de Houston. Et entre-temps, il avait participé aussi auparavant, pardon, il avait participé au JO à Tokyo, quatrième saison à Rennes. Troisième joueur de la soirée, il est belge, il a 25 ans, il est gaucher. Lui, il a fait un truc sensationnel au championnat du monde. Il a atteint le 16e demi de finale avec une super perf au passage. Martin Allerey. Il a battu un joueur numéro 1 mondial. Bravo. Pour votre petite information, ce soir, Louis Lafineur n'est pas présent parmi nous parce qu'il lui aussi participe au championnat du monde, mais c'est pour, c'est en jeu. Et c'est à Porto, et c'est en cours. Vous pouvez le suivre d'ailleurs sur le site WTT. Je vais y arriver. Les amis de la soirée, monsieur et madame Félix, Eric et Fabienne. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon match et que le meilleur gagne. C'est parti, mon petit.